Deuxième place, eh bien nous retrouvons donc Dieter Sagan, le pote de l'équipe Cannondale. Et à la troisième place, donc Navarro-Scas, Amandas Navarro-Scas, pour le classement de ces étapes, alors que nous revoyons le sprint de la Sentinelle, qui avait l'année dernière gagné 4 étapes sur les routes du Tour de France et qui, dans la dernière ligne droite, résiste le tour. Donc de Dieter Sagan et à celui de Navarro-Scas qui termine à la troisième place. C'est le podium de l'étape du jour, alors que nous retrouvons donc la chute en première ligne, et notamment Mark Cavendish. The stage winner, Marcel Kittel of Giant Shimano, followed by Dieter Sagan of Cannondale. Behind him, Navarro-Scas, many riders hitting the deck. Mark Cavendish crashing just inside the final couple of hundred meters of today's stage. He's certainly unable at the moment to complete the stage. He's asking for the team. They're looking after him. Mark Cavendish right now is unable to remount his bike, and both sprinters right now will get back on there. What's the finish coming? Mark Cavendish, the stage winner. He starts the Tour de France.